Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau type de vidéo qu'on a appelé les chroniques de Julien. En effet, vous êtes très nombreux à me solliciter ou à solliciter l'agence à travers vos mails, vos SMS, Messenger, pour me demander souvent un avis, un conseil, un avis juridique, à travers des problèmes que vous rencontrez au quotidien. Alors j'ai voulu faire ce type de vidéo pour vous accompagner, vous aider et répondre à toutes vos questions. On y va. Première chronique de Julien, premier thème que je voudrais aborder avec vous, c'est un thème qui revient très souvent parce que vous me sollicitez beaucoup et je vous en remercie pour ça, pour votre recherche immobilière. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte économique, de la hausse des prix et de la pénurie des biens à vendre ou à louer, le premier thème que je vais aborder, comment trouver un bien à la vente ou à la location. Premier conseil, rencontrez vos agences immobilières. Prenez rendez-vous avec les commerciaux au sein des agences, partagez votre projet, partagez votre recherche. Ils seront à même à vous proposer des exclusivités, des biens qui ne sont pas forcément à vendre encore sur les réseaux et des choses qu'on vend, comme on dit nous, sous le manteau. Deuxième conseil, soyez réactif. Il faut consulter tous les sites internet spécialisés à la vente ou à la location. Rendez-vous sur les sites des agences immobilières, notamment mon site internet, où vous pouvez vous créer des alertes pour être informé en priorité sur les nouveautés. Et puis surtout, soyez disponible. Vous êtes très nombreux à vouloir visiter les nouveaux biens. Et donc, le premier arrivé est souvent le premier servi. Enfin, troisième et dernier conseil pratique, préparez votre visite. Lorsque vous avez enfin trouvé le bien de vos rêves, dites-vous que vous ne serez pas le seul à le visiter. Alors pour une vente, ayez toujours votre accord de prêt sur vous. Pour une location, ayez votre dossier de candidature, de telle sorte que si le bien vous plaît, vous pourrez vous positionner tout de suite. Voilà, c'était les chroniques de Julien. Si vous avez besoin d'un conseil, d'un avis, d'un point de vue sur un problème juridique ou autre lié à l'immobilier, n'hésitez pas à me contacter. Je vous quitte, je vous laisse. N'oubliez pas, vous avez un ami dans l'immobilier.